Cette jeunesse, dans sa grande majorité, il a été mis de côté, il a été exclu. Je comprends sa révolte. Je comprends sa révolte. Ce que je voudrais dire à ces jeunes, que si ça a un avenir, c'est dans cette Algérie. Et de deux, que ces gens-là, il faudrait qu'ils apprennent à lutter. Au début du mois de carême, il y a une flambée des prix. On a essayé de limiter. Je n'avais pas l'expérience. On aurait pu arrêter cette flambée des prix parce que derrière, il y a toute une mafia. Ce sont des habitudes qui ont été prises. Ça, s'il faut le dire, honnêtement. Les mesures n'ont pas été prises pour essayer de voir parce qu'on a supprimé les mercuriales. On a laissé les gens faire. Il y a peut-être des complicités qui vont plus loin. Ça, c'est vrai. Seulement, est-ce que ce peuple, est-ce que cette jeunesse, comprend-elle que s'il veut améliorer sa situation, il faut qu'elle lutte. Il n'y a pas une autre sortie. Essaye de t'organiser. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a rien. Si on veut lutter contre les injustices et les injustices qui sont dans le nombre ne peut pas être chose. Parce qu'il y a l'ancien Moudjahid qui n'a rien, il y a le chômeur, il y a celui qui a été exclu, celui qu'on a renvoyé de l'école, celui qui n'a pas de logement. Tout cela, c'est des mécontentements. Où ces jeunes vont comprendre que, avec le pouvoir, ils doivent dialoguer. Nous sommes prêts à dialoguer avec ces gens-là, mais qui se réunissent et qui doivent s'organiser autour de leurs difficultés. Et à partir de ce moment-là, s'il y a ce dialogue, je crois que c'est un début de solution. Et c'est créé des conditions en Algérie où s'enrichir, ça donnait à la corruption, au privilège, c'est devenu quelque chose de normal. Et l'exemple vient d'en haut. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Maintenant, avec cette justice, que peut-on faire? Mais j'ai rencontré dans ce corps de juges des gens révoltés, autant que celui de la rue, et qui sont décidés réellement à faire le ménage. Ça, je vous le dis. Des dossiers, nous allons les préparer. Seulement, je ne voudrais pas que ça soit la chasse aux sorcières. Je ne voudrais pas que ça soit des règlements de compte. La nouveauté en Algérie, c'est que tout ce monde-là pose ses difficultés. Je leur dis, je ne vous promets rien. Mais aidez-moi à trouver les solutions. Essayez de réfléchir. Et j'ai senti que ces Algériens qui critiquent un certain temps commencent à poser des problèmes. Je voudrais travailler avec tous ces gens-là en vue de permettre à l'Algérie de trouver sa voie. Il faut rétablir la confiance. Nous sommes pour le modernisme. Parce que le modernisme veut dire l'avance. C'est là le grand sujet que se pose à tous les pays musulmans, ce qu'on appelle le tiers-monde, c'est d'opter pour la modernité ou pour le recul vers le passé. À partir de ce moment, c'est là. J'ai dit, quand on est militant, on ne doit avoir ni l'amertume, ni la déception. Parce que nous considérons, personnellement, je considère que je fais est un devoir. Je ferai tout ce que je peux si je ne réussis pas. C'est cela. Mais si je réussis, ça serait très bien. Et pas pour moi, mais pour mon peuple.